Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine, j'espère que vous allez très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. La recette que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est comment faire de la bouillie à base de semoule de tapioca. Donc voici les ingrédients que vous aviez besoin pour réaliser la bouillie de tapioca. Donc il vous faut du tapioca, voici du tapioca. Il vous faut du lait concentré sucré ou du lait concentré non sucré, c'est au choix. Donc avec du sucre, si vous ajoutez le lait concentré sucré, donc il ne faut pas rajouter du sucre encore. Avec des blueberries et un peu d'eau. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles recettes. Ok? Donc on va commencer la préparation. Dans une casserole, il faut déposer la casserole au feu. Ensuite, il faut rajouter l'eau. Il faut laisser l'eau, il faut passer à l'ébullition avant d'ajouter le tapioca. Il faut laisser à feu doux jusqu'à cuisson. Donc il faut contrôler la cuisson. Et voilà, la bouillie est prête, donc il faut éteindre le feu et puis servir. Et voilà, donc la bouillie est prête, donc je vais rajouter le lait. Donc c'est le lait concentré non sucré. Non, ok. Donc je vais rajouter ensuite le sucre. Et mélanger le tout. Ok, maintenant je vais servir. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles recettes. Et voilà, ma bouillie de tapioca est prête. Donc, merci de regarder la vidéo. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci de regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles recettes. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.